Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi cette semaine dans l'émission L'Artiste de la Semaine. Oui, parce que cette semaine, l'Artiste de la Semaine nous vient de la Jamaïque. Non, mais il vient de La Réunion. Peut-être qu'il est allé faire un tour à la Jamaïque. Mais qui sait ? En tout cas, il aime tellement La Réunion qu'il est revenu. Il s'appelle Lion. Lion, oui. De son nom comme le lion. Hein. Mais le lion, il n'est pas en Afrique. Hein. Même ici à La Réunion, on a des lions. Hein. Lion, pas. Alors, il va nous expliquer un petit peu c'est quoi ce Lion Pas. Parce qu'il est avec moi. Comment il est, Lion ? La même. Tout se remplace. Lion Pas. Hein, yes. Lion nous connaît. C'est le lion. Mais le pas, c'est quoi ? Le pas, c'est la patte, en fin de compte. Ah, la patte du lion. Voilà, c'est la patte du lion, simplement. Ouais, mais oublie pas que devant la patte du lion, il y a des griffes. Ça, c'est risque et péril. Hein. Ouais, ça, les griffes du lion. Ouais. Pourquoi avoir choisi la patte du lion comme ça et quelle est l'origine de ce nom-là ? Déjà, en fait, indirectement, en fait, ça s'est fait lors de la rencontre avec Yannis Odoua, qui est mon sensei en fait, dans la musique. Il m'a donné les mots magiques pour me dire « fais de la musique ». Ouais. Donc, l'un dans l'autre, à un moment donné, le nom Lion Pas est sorti. Et c'est un musicien du groupe The Congo, lors du Rototom Sunsplash. On avait fait un concert. Il m'avait emmené en fait, dans les backstage. Voilà. Et de par une discussion, le mot Lion Pas est ressorti encore une fois. Il m'a regardé et m'a fait ça. J'en ai conclu que c'était mon nom d'artiste en fait. Mais quand tu t'appelles Lion Pas, quand tu as des locks, tu n'as pas forcément du vert jaune rouge sur toi. Est-ce que je dois penser que tu fais du reggae ? Après moi, je suis comme je me sens réunionnais, donc c'est peut-être aussi ma façon aussi de montrer mon appartenance à mes racines, qui est un petit côté chinois, un côté malgache. Donc musicalement, c'est un peu pareil finalement. C'est j'ai cette mentalité rasta rebel. Dans l'âme, mais ça c'est un truc qui est indéniable, mais je la retrouve aussi dans différents mouvements musicaux comme en l'occurrence en ce moment le mouvement c'est la trappe, je bosse à fond le reggae, donc je retrouve ce mouvement franchement dans le reggae, la dancehall en l'occurrence, dans tout type de musique en fait, dès lors où je sens que mon message militant il prend son importance en fait dans n'importe quel style musical, je fais en sorte qu'ils prennent naissance, en fait, tout simplement. La musique, c'est une chose, mais ce qu'on dit dans la musique, tes textes, c'est toi toujours qui les écrit ? Yes, ouais, j'écris, c'est ma vie que j'écris, ma façon de percevoir la vie, ouais, c'est moi qui ai écrit tous mes textes. Ouais, tu as une tendance plutôt d'amour, de contestateur, de faits divers, de faits de société, c'est quoi qui revient tout le temps à chaque fois dans tes textes ? Le plus souvent qui va revenir, c'est souvent... Un message de force, de transmission pour les jeunes principalement. Parce que moi, en ayant 30 ans à mon âge, j'estime déjà avoir le pied dans l'étrier. Et c'est pas forcément à moi de changer les choses de mes mains, mais en le disant et en montrant ce que j'ai déjà vécu, les jeunes qui vont revendiquer leurs idéaux vont peut-être pouvoir avoir... un meilleur pied d'appui. Un message pour les jeunes, c'est-à-dire un message de, un message de jeunes, prévention, de, message de... De la prévention, mais surtout de construction morale, en fin de compte. De compréhension de la vie. Voilà, c'est tout simplement ça, parce que c'est bien beau d'aller à l'école, qu'on nous explique que les mathématiques, ça fonctionne comme ça, que l'histoire, c'est comme ci, comme ça, mais tous, chacun trace son petit chemin avec ces fameuses bases-là, et il nous manque de temps en temps, donc, et là, on va piocher dans la catégorie spirituelle. Ouais. C'est à ce moment-là que la magie de la musique, elle fait son œuvre, tout simplement. Et comme disait un grand philosophe, il faut vivre la vie pour comprendre ce que c'est que la vie. Exactement. Donc, dans ta vie, hein, tu racontes beaucoup de choses dans tes chansons, sous diverses formes, du reggae, du trap. Mais il y a une musique dans tout ça que tu aimes un petit peu plus, parce qu'on parle de toi là, dans cette émission-là. Un petit peu plus quand même. Ouais, le reggae dancehall. Explique-moi. Parce que moi, je suis novice là, dans le reggae dancehall. C'est quoi cette couleur-là ? Le reggae est un côté rebelle assagi, on va dire. C'est le côté sage, c'est la conclusion. Alors, c'est un pléonasme, rebelle assagi ? Enfin, c'est un rebelle, mais avec le temps... Qui s'est assagi, en fait. D'accord. En fait, c'est ça que je veux dire. Et le dancehall est, lui, l'enfant de ce papa, justement, qui est devenu sage. Ouais, ouais. Qui est un peu rebelle, revendicateur dans l'âme. Et amaillé avec les deux... Ouais. Je trouve que c'est la potion magique. Quand on est jeune et qu'on on pète le feu, on est même des fois prêt à tout casser, le reggae va stabiliser un peu cette hargne que nous, on peut avoir dans le sang finalement et peut nous permettre de faire de grandes choses dans n'importe quel domaine, bien sûr, que musicalement. Quoi. On a toujours dit que le reggae était une musique d'espoir. Hein. Ça reprend tout son sens, toute sa valeur dans ce que tu fais. Bien sûr, s'il n'y avait pas de reggae...
dans la façon dont c'est posé, sachant que ça suit le battement du cœur, le rythme de la vie, ça n'aurait aucun sens. La vie n'aurait aucun sens. On ferait de la musique, ce qu'ils essayent de faire d'une tendance. Oui, oui. Voilà, on met ça sur le marché, on le consomme et on passe à autre chose parce qu'on a rajouté une petite paillette. Ouais, 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 ouais. Et finalement, il n'y a plus de moralité dedans. La magie s'éteint finalement. C'est beau à entendre, mais voilà. Mais le reggae est là pour redresser un peu, recadrer les élèves qui s'éparpillent, entre guillemets. Et c'est pour ça que cette musique-là, on a l'impression qu'elle est intemporelle, qu'elle est toujours là, qu'elle a été faite il y a quelques années de cela par des grands, à la Jamaïque, là-bas, et qu'aujourd'hui, on fait la même chose. On ne veut pas trop la salir ou la déranger comme ça. On rajoute quelques couleurs, quelques fois, mais sinon, l'origine même, le rousse. Hein, le reggae roots, c'est ça, le reggae roots pur, c'est ça, comme son nom l'indique, c'est une racine. C'est une racine. Si on prend pas soin de la racine, c'est tout le pied de bois qui flambe. Voilà. Simple. Ouais. Je pense que c'est ça. Et tes téléspectateurs sont l'eau qui vient abreuver ses racines, on va dire. Après, c'est à eux, c'est eux les jardiniers après. Voilà. Hein. T'as donné des fleurs entre temps, t'as donné des feuilles d'abord et des fleurs après. Et ça s'est concrétisé par des sons. Par des textes, sons, Par des images aussi, par des clips, plusieurs clips. On va venir à ces clips là. Y a un clip que tu aimerais nous faire écouter là tout de suite là comme ça. Bah là, vu que je suis au foyer, je suis sur ma terre de feu. Real life. D'accord. Alors il y a Richard qui est de l'autre côté qui a dû caler ça. D'accord. On y va tout de suite et on revient dans un instant. D'accord. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Comme on a fait, au moment où il s'arrivait, où ça ou cachette pour Dieu, cause d'un ciel n'a plus étoile, mais nous prie comme un comme on a fait, comment nous prenons et s'arrivait, où ça ou cachette pour Dieu, cause d'un ciel n'a plus étoile. Trois autres tous ont capacité. Ben juste le monde comme un niveau boit sa peination. Ben un vie comme sauvage, sacré civilisé. Et ça, c'est la carte, nous la vise et la place. Fais nous de l'évolution, boy, non. Nous la pas faux, nous t'es platé, organisé. Le caf, y'a pour n'écrit, lieu qu'on tous est l'exomanier. Ça même la sauve, l'île au caf, t'es ino. Dans l'huile, pin à Fred, à nobody, free, l'eau, caf, les audi, y'a pis la chimas. Real life. Hey, comme on a fait. Maman est arrivé, où ça ou cachette bon Dieu, cause d'un ciel n'a plus étoile, mais nous prie comme un real life. Comme on a fait, comment nous maman est arrivé, où ça ou cachette bon Dieu, cause d'un ciel n'a plus étoile. Non, mi perd pas l'espoir, cause mi connais les loges dans l'esprit. Yo, vida chimasse, perd pas la tête, le caf mi en bête, mémorise ton l'histoire. Yo, vida chimasse, bien bon de la thèse, la rôde, mettre la laisse en caisse, bam tout au lieu de tourner. Esclavage, y'a zot, t'en fin révolu, nous la fin des laisse, tout cachette, maté le caf fin free. T'es, comme on a fait, comme maman est arrivé. Ça ou cachette bon Dieu, cause d'un ciel n'a plus étoile, mais nous prie comme un real life. Hey, comme on a fait, comment nous prenons et ça arrivait. Où ça ou cachette bon Dieu, cause d'un ciel n'a plus étoile. Croisons toujours une capacité. Un juge de monde comme un sapin nation. Un invif comme sauvage, sale point civilisé. Et ça, c'est la carte, nous la bisou et la place. Et nous de l'évolution, boy, non. Nous la pas fou, nous t'es platé, organisé. Le caf, y'a bon écrit, lieu qu'on tous élève son manier. Ça même la sauve, l'île au caf, t'es innova. Nuit fin, après d'un nova, ni fil au caf, les ordures, y'a vida chimasse. Real life. Comme on a fait, étoile, mais nous prie comme un real life. Comme on a fait, comme notre maman est arrivée. Où ça ou cachette pour Dieu, cause d'un ciel n'a plus étoile. Faut les voir. Capacité, capacité, nation, nation, civilisé, évolution. Organisé. Money.
Eh bien, nous revoilà ici même, Bassin Labou, dans cette émission L'Artiste de la Semaine avec Larion Pa, hein, chanteur de reggae, de trap, de musique afro aussi un petit peu. Yes. Oui. Hein. Son travail, ça, voilà, c'est son projet. On peut dire que tu es un chanteur ou un extraterrestre, parce qu'il n'y a que les extraterrestres qui arrivent à chanter dans toutes les langues, dans tous les milieux, comme ça. On dit on est plutôt des shinobi. Shinobi. Ah, on agit dans l'ombre et puis on jaillit la lumière et puis comment ça se fait, ça vient d'où ça? Voilà, ça c'est le taf, ça, des ninjas. Voilà, ton travail. Si tu le veux bien, là, dans cette dernière partie de cette émission, on va parler vraiment de toi. On va parler un petit peu de ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. T'es arrivé comment dans la musique, toi? Moi, dans la musique, déjà, de base, j'ai commencé comme tout le monde dans les études. J'avais mon petit kiff, boulanger, bam bam. Ça faisait 5 ans de boulangerie. Et à un moment donné, je voyais que j'arrivais pas à concilier, en fait, ma vie privée et ce métier-là, qui lui demandait une vie entière. Je me suis dit, c'est pas pour moi, finalement. Il y a un truc qui me dit, je suis trop libre dans ma tête. Et chaque fois que je rentrais, c'était la musique. Et il fallait que j'aille en concert. Et d'un concert à un concert, c'est cette fameuse rencontre avec Yannis Odoua qui m'a dit, faudrait qu'on prenne le temps de souffler un coup. Et là, je me suis dit, waouh, là, ça devient sérieux. Là, j'ai senti, j'étais dans une autre bulle. J'ai été confirmé ça. Et l'un dans l'autre, j'ai fait de ma vie une mission musicale, finalement. Mmh. Je me suis dit, bon, j'arrive peut-être un peu tard, en fait, par rapport aux autres personnes qui sont nées dans la musique, hein, déjà dès l'âge de 10 ans, ils ouvrent des albums, tout ça. Moi, j'ai commencé, ça fait 7 ans, la musique. Donc, je me suis dit, non, si ça m'arrive maintenant, voilà, il faut que je m'accroche. Donc, beaucoup de sacrifices, mais j'en suis tellement heureux aujourd'hui. Voilà quoi. Ouais. Je sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que voilà, c'est à ce moment-là que tout s'est joué. Quoi. On va dire que tu aimes ce que tu fais. À fond même. C'est ça. Fond, hein, c'est ça. Oui. On peut dire que tu es quelqu'un d'engagé quand même, hein, dans la musique, parce que quand on te voit parler comme ça, tu crois vraiment ce que tu fais. Hein, ah oui, mais carrément. Heureusement d'ailleurs. Ah, mais hein, même si au fond c'est le précipice, je crierais j'y ai cru. Jusqu'au bout, quoi. D'accord. Jusqu'au bout, il n'y a pas de. D'accord. J'y croirais jusqu'au bout, tant que j'ai le souffle, en fin de compte. Voilà, en tout cas, on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui, ce soir, ici même Bassin Labou, dans l'émission L'Artiste de la Semaine, parce que tu es l'artiste de cette semaine sur Canal Austral. On va parler encore un petit peu de tes réalisations, hein, parce que, in fine, quand tu chantes, il faut bien qu'il y ait du son et puis qu'il y ait de l'image. Hein, et c'est ça qu'on appelle les clips. Hein. D'ailleurs, on va finir avec un clip. Tu en as combien, comme ça, des clips, hein? Où est-ce qu'on peut trouver tes clips? Déjà, on peut, bah, comme tout le monde, sur YouTube. Ouais. On tape Larion Pa. Ouais. P-A-W. Hein, exact, P-A-W. Voilà. Et on va tomber sur mes sons comme Mi Khalid, Please Me Cool, Susano, Profond, Real Life et Akila Menaide. D'accord. Donc là, en plus, c'est la petite surprise. Là, dans pas longtemps, il va y avoir un clip qui va sortir. C'est encore dans le four. Là, il reste quelques minutes de cuisson. Ouais. Et on va vous servir ça sur un plateau d'ici quelques temps. Voilà, on sent bien l'ex-boulanger, là, non? Ah, il y a des choses qui restent. Hein. D'accord. On va écouter un clip pour finir. Là. Il s'appelle comment, ce clip? Alors, celui-ci s'appelle Akila Menaide. C'est du japonais. Ça veut dire, en fait, ne laisse pas tomber. D'accord. Parce que tu chantes aussi en japonais. Voilà, je mets des petites touches de japonais par rapport à mes origines, qui est du côté chinois. Et comme je kiffe le manga, tout ça, et la philosophie d'un manga qui s'appelle Naruto. Mm-hmm. Tout le monde connaît, les narutoniens, ils connaissent. Ah bon? Et très grande philosophie basée sur les relations humaines, une alchimie en fait sentimentale, et ça porte beaucoup de bonnes vibes dans l'image, en fin de compte. Et du coup, de lier ça, j'ai trouvé ça original en fait. Et je kiffe passer mon message comme ça. D'accord. Les narutoniens, ils vont comprendre. Oui, direct. Oui, ils vont retenir. Alors, on va finir là, mais avant qu'on mette le clip, moi, j'aimerais que tu regardes un petit coup la caméra là-bas et tu me fais plaisir, parce que je vais te poser une question, mais je sais que tu vas pouvoir le répondre, parce que tu m'as dit tout à l'heure que dans tes messages, dans tes textes, tu faisais passer des messages à des jeunes. Or, nous, c'est important chez nous, ce Canal Austral, que les jeunes apprennent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le bon chemin. Hein, on a beaucoup de gens qui sont intéressés. Venu chez nous aujourd'hui même, hein, sur les préventions de l'alcool, la drogue, le tabac, etc. Donc, toi, tu es aussi ces artistes qui portent l'espoir à travers ces jeunes-là. Tu es ce qu'on appelle des influenceurs aussi. Hein. Yes, et donc, si vraiment il y a un petit mot que tu pourrais dire, il y a François derrière cette caméra-là qui te regarde droit dans les yeux, là, un petit mot pour ces jeunes-là, juste pour nous. Mais bien sûr, et ça sera toujours un plaisir de le donner. Alors, les gars, les femmes, les petits, les moyens, les grands, restez mobilisés sur vos objectifs. Ne laissez personne, même vos plus proches de temps en temps, vous écarter de vos objectifs, même si ça vous paraît ridicule, ou même si ça paraît ridicule aux yeux des autres. Montrez-leur
la finalité finalement de vos projets. Et c'est que quand vous mettrez vraiment le pied dedans que vous vous rendrez compte que vous avez quelque chose entre vos mains et c'est de l'or. Et nous sommes peut-être sur un petit galet, mais l'unité que nous avons au fond de nous nous permet vraiment de faire preuve d'intelligence par rapport à l'union qu'on peut avoir et des différences que nous avons, des fois même pas en commun. Et nous vivons ensemble. Et la terre est à vous. Trouvez le moyen d'éduquer, continuez d'éduquer vos enfants comme vous le faites et récupérez la terre. Investissez sur votre terrain. C'est votre terre, n'oubliez pas. Pour moi, c'est le plus important et je me battrai pour ça d'ailleurs. Si je reviens, j'ai une terre et je vous donnerai du taf. L'opportunité même d'ouvrir vos entreprises. C'est ça le but en fait pour moi en tant que Réunionnais. D'accord. Voilà, vivant en France, doit revenir à la Réunion, bâtir son petit bout de terre. Allez, pour mieux revenir. C'est exactement ça. Donc d'accord. Voilà, vous laissez pas décourager, vraiment. Merci beaucoup. On était avec Lion Pas aujourd'hui, ce soir, ici même, parce qu'elle a bout dans cette émission. Je te remercie beaucoup. Merci à vous en tout cas. Voilà, et on se retrouve une prochaine fois, d'accord ? Avec plaisir. Ok, nous aussi, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de l'Artiste de la Semaine sur Canal Austral. Et là, ils font la même chose à l'échelle mondiale. Parce que leur but, c'est de construire, continuer de vignoler leur grand humain. C'est un bébé qui cultive, il était petit, il est devenu ado. Et là, maintenant, il faut le faire rentrer dans le monde d'adulte. Non, il y a encore des gens comme nous, ça passe pas, c'est mort, tu vois. Moi, je sais très bien qu'ils vont, commencer à sortir leurs astuces, tu vois. Leurs astuces mentales pour te dire, ah non, toi, tu vas rester chez toi, gros, t'as pas compris, gars. Non, c'est pas une dictature, frère, on est en démocratie ici. T'es con, quoi, tu vois. Mais reste chez toi, gros, sinon tu vas plier, frère. Sois sur tes gardes, sache que l'on sait jamais. On a continué de noyer nous de voisins qui la ménage. Si ton destin surveille qui s'amène sur tes pas, t'as choix de savoir pourquoi. Comme Uchiwa, t'as l'impression que l'effet, j'efface les larmes sur de toi. Sache que l'on sait jamais. On a continué de noyer nous de voisins qui la ménage. Si ton destin surveille qui s'amène sur tes pas, t'as choix de savoir pourquoi. Qui t'envoie crier la vibe, se poser la patte, ressentir tout ça sans arrêt. Sois sur tes gardes, sache que l'on sait jamais. On a continué de noyer nous de voisins qui la ménage. Si ton destin surveille qui s'amène sur tes pas, t'as choix de savoir pourquoi. Et vite, comme Chiwa, t'as l'impression que l'effet, j'efface les larmes. Sweet ton de qui s'amène. Fomia, maille et coton, sauf une formation de la forêt, Nimpo, Anamo, Couton, remonter les nappes, il le faudrait. Dans les routes, ils le savent, continuer de forer nos sols, piller nos terres, décimer nos savants. Comment passer le savon sur l'histoire qui s'est passée, précurseurs de mon dergit, ils le sont obligés, vous m'y laissez mon trace. Notre message, mais les songes disent que l'on provient du sage et l'esprit dans les congères, que je ne pas non, sont certains songes à l'avancée. Grave sous le soleil, ils ne font que les Andes, c'est béqué sans arrêt. Idem tes bois et la Réunion coma. Moi bien touriste les blindés, merci kimoné padré. Donc t'es arrête, fais croire ma main coma. Qu'ils autres drapeaux dans la hauteur, trappe à la nade, on met en l'air. La yon no wa shit yoden coma. Ito bito mon arme, non nous les points désarmés. Sois sur tes gardes, sache que l'on sait jamais. On a continué noy nous de voisins, qui la ménage, suis ton destin surveille qui s'amène sur tes pas. Cache toi de savoir pourquoi, qui t'envoie crier la vibe, se poser la patte, ressentir tout ça sans arrêt. Sois sur tes gardes. Sache que l'on sait jamais. On a continué de noyer nous de base. A qui la ménage, suis ton destin surveille qui s'amène sur tes pas. T'as joie de savoir pourquoi. Fais vite, comme Chiwa, Matara, la vraie seule défense. J'efface les larmes, leur machine continue. Sécuriser le périmètre à balles. Certains shinobi hors de la bulle du Tsukeyomi universal. On le sait tous bien qu'ils abusent. Dur de les voir porter le coup fatal. Mais sous ça, nous protège la vue afin de se remettre à l'éternal. Comme t'es tafou, mastamilk, malia, tanzimi, t'es wassa. Tous les encans mis des bits, nous connectés comme l'avatar. Donc copise et pose mon bazar. Kick mon musique, pas faire mon couleur, mon posé bâtard. Si t'es mieux, oubliera pas, me suivra pas, garde. Sache que l'on sait jamais. On a continué de noyer nous de voisins qui la ménage. Suis ton destin, surveille qui s'amène sur tes pas. T'as choix de savoir pourquoi. Comme Uchiwa, Madara, la vraie seule défense. J'efface les larmes sur de toi. Sache que l'on sait jamais. On a continué de noyer nous de voisins qui la ménage. Suis ton destin, surveille qui s'amène sur tes pas. T'as choix de savoir pourquoi. Qui t'envoie crier la vibe, se poser la patte, ressentir tout ça sans arrêt. Sois sur tes gardes. Sache que l'on sait jamais. On a continué de noyer nous de voisins. Qui la ménage, suis ton destin surveille, qui s'amène sur tes pas. T'as le droit de savoir pourquoi. Fais vite, comme Chiwa, Matara, la vraie seule défense. J'efface les larmes. Par t'as dit, t'es mieux, oubliera pas, mieux, oubliera pas, mieux, oubliera pas. Par t'as dit, t'es mieux, oubliera pas, mieux, oubliera pas, mieux, oubliera pas. Change the little way, come, kai, nice. N'oubliera pas, mieux, oubliera pas, mieux, oubliera pas. So, QK, nashi, why, now you know what she.